Bonjour à tous, nouvelle vidéo d'un plat en soutien aux agriculteurs parce que en ce moment c'est la crise des agriculteurs donc je vais cuisiner quelques produits français, mais ça sera pas tout français quand même, mais je vais essayer de faire le plus possible pour soutenir. Donc les ingrédients ils sont juste là, bien sûr on aura ça, des pâtes origine France, tout français. Et je vais rajouter un oignon rouge émincé qui est français, de la fonte de Montbrison qui est français. Par contre, j'aurai d'autres trucs où c'est un petit peu douteux parce qu'on peut pas tout faire. Mais c'est déjà bien d'avoir mis ça. Voilà les ingrédients du plat de pâtes. Donc pendant que les pâtes bouent, on met les oignons rouges dans l'huile. Attention, faut pas que l'huile d'olive boue. Donc n'hésitez pas à éteindre le feu sur la plaque à induction pour pas que ça prenne trop de chaleur et que ça cuise tout doucement. J'ai éteint le feu. Du coup, je mets mes ingrédients secrets. Donc j'ai mis de la tapenade noire, la fourme et les oignons rouges et le paprika qui est rajouté aussi. Vous pouvez mettre la poudre que vous voulez, hein. Tant que c'est une poudre rouge, ça passe. Et voilà, à la fin, on chauffe à feu doux pendant 2-3 minutes, comme vous voulez. Vous mélangez bien, histoire que le fromage finisse de fondre, que tout se mélange bien. Et puis, vous pouvez aussi rajouter des ingrédients à votre convenance. Faut pas hésiter à goûter. Oh, oh là là. Ça manque un peu de poudre rouge. Et puis voilà, vous avez un plat qui soutient un petit peu les agriculteurs. Certes, c'est pas 100%. Un plat 100% français, mais la prochaine fois dans une autre vidéo, peut-être que ça viendra. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis testez ce plat, testez-moi ça, testez et dites-moi si c'était bon.